Aujourd'hui, je vous montre un exercice qui s'appelle progression. On va le travailler ensemble pendant 5 minutes. Mais pour l'instant, je vous montre un exercice préparatoire. C'est comme ça que je l'ai appris quand j'avais 15 ans. 4 mains droites et 8 notes alternées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ça, c'est une chose. On peut le faire par la gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, déjà, il faut bien préparer ces deux exercices qui sont plus simples. Et l'exercice que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est un exercice qui existe pour le tambour, pour la technique tambour, pour les percussions. Mais j'avais vu ça, je crois, dans un documentaire sur le taiko, donc les tambours japonais. Et l'exercice, c'était 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gauche. Et là, je change. Droite. Gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, le cycle est complet. Ça fait 4 mesures. Donc, si je suis à 60 à la noire, c'est ce qu'on va faire au début. 60 à la noire, ça va faire 4 croches, 4 croches, 4 croches, 8 double croches. Par la gauche, 4 croches, 4 croches, 4 croches, 8 double croches, alternées. Donc, c'est parti. Le but, c'est vraiment de travailler l'endurance et qu'on reste ensemble jusqu'au bout pendant 5 minutes. En se tenant bien droit, en cherchant la décontraction, l'aisance des coups, un son fluide. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, par la gauche, 1, 2, 3, 4, droite, 2, 3, 4, gauche, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, par la droite, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gauche, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je change de décompte. Takadimi, 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 Takajuna, Takadimi, 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 Takajuna, 1,
dernière fois. 1, dernier cycle. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Et voilà. Donc la vidéo suivante, je serai à 120. A tout de suite.